avant d'entamer une nouvelle leçon, ouais, ouais, nous allons faire la révision de la leçon précédente. Qui fit le fondateur de l'Empire du Mali? J'ai dit qui fit le fondateur de l'Empire du Mali? Est-ce qu'il a? Oui, réponds à la question. Messieurs, hey, enlève ça. Impoli. Oh, messieurs. Dieu, il ne faut pas parler. L'esprit, c'est bien. Non. Mon foulard. Messieurs, tu as bien dit le premier fondateur de l'Empire du Mali. Le fondateur de l'Empire du Mali. Messieurs, ça là, je connais. Ok. Sonny Alibert. Quoi? Hey, c'est bon. Tu te fous de moi? Non, messieurs. Imbécile. Assieds-toi. Monsieur, oui, Fatima, réponds à la question. Monsieur, le fondateur de l'Empire du Mali, fils Ndiata Keïta. Bien, excellent, applaudissez pour elle. Moi, j'aime les élèves qui apprennent bien leurs leçons, comme Fatima Aïcha, elle répond. Ashkouyamou, je vous conseille à changer, ok? Bandit, que vous. Monsieur, monsieur. Que veut dire citoyenneté? La citoyenneté est faite pour l'individu, le fait d'être reconnu officiellement comme citoyen. Merci, monsieur. Désolé, c'est bon, c'est bon, il y a quoi? Comment vas-tu? Je vais bien. Et la maman? Elle se porte bien. Et chez toi? Pareil, j'espère que tu as pris tes leçons parce que le maître risque de faire une interrogation. Et pourtant, c'est vrai. Alors, révision. Ok. Quoi hier? Et vous là, il y a quoi? Hier là, qu'est-ce que je vous ai dit? Et puis quoi? De ne pas apprendre ici. Non, tiens, non, quand il n'y a pas match. Donc, Seigneur, on va dire que je vais vous dire que je vais vous dire que ça va pas la tête. Et puis, c'est bon. Laisse-moi. C'est impoli comme ça. Ah ouais, ça c'est mon Dieu, ouais. Ouais. Non. Confisqué. Messieurs, mon téléphone. Confisqué. Oh, messieurs. Messieurs, faites attention. C'est des millions comme ça. Ah. C'est des millions. Et quoi, c'est pas la peine. Et voir. Bien. Lève-toi. Lève-toi. Ok. Bien. Avant de commencer une nouvelle leçon, nous. Élu, c'est démocratiquement élu à Mali. À Mali, à Mali. C'est pas à Mali. C'est pas à Mali, hein? C'est à l'enfer, impoli. Au Mali. Monsieur, à Mali. À Mali. Monsieur, au Mali, monsieur. Ok. Monsieur, Messe Ibeka. Yo, tu as trouvé? Impoli, que tu as trouvé? Tu as trouvé? Non, lui-même il connaît pas ça. Oui, si j'ai trouvé ça. Ok, pas de blême là. Oh, messieurs. Messieurs, le premier président démocrate. Oui. Au Mali, c'est. Eh. Monsieur, c'est. Eh. Obama. Quoi?
Merci. Sorko. C'est Obama. Monsieur. Ta photo. Un jour. Oh non. Il me connaît lui. Tout ça à moi. Oui. Aïcha. Monsieur le premier président démocratiquement élu au Mali, fille Alpha Oumar Konaré. Bien, applaudissez pour elle. Moi, j'aime les élèves qui apprennent bien leurs leçons comme Fatima et Aïcha répond. Ashkulamu, je vous conseille encore à changer, ok? Ok, monsieur, on va changer. Prenez des jokers, vous êtes plus adepté. Ouais, ouais. Bien, prenez vos cahiers et vous recopiez. Ok, on va recopier. Non, la guéchange n'est fort quoi, d'abord, Aïcha, écoute. Non, je suis fine. Non, je suis pas supporté. Hé, Ashkula, tu vas où là? Monsieur, je vais aller à la maison. Ah, va t'asseoir, un peu. Monsieur, tu peux m'empêcher d'aller? Hé, j'ai dit, va t'asseoir. Monsieur, faut pas provoquer la troisième guerre. Comme tu vois que je suis handicapé, c'est pour cela que tu fais ça. Hé, va t'asseoir, un peu. Monsieur, c'est... je vais te tuer aujourd'hui. Qui? Qu'est-ce qui se passe? Il a frappé le maître. Le maître. Le maître. Le maître. Le maître. Sergent, mets-le qui va l'amener au commissariat. Okay. Merci, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs de la cour de Wundibaya, si nous sommes ici ce matin, c'est pour statuer sur une affaire très urgente. Allez-y, monsieur le procureur. Merci, votre honneur. Mesdames et messieurs de la cour, l'affaire du jour est la suivante. Faites entrer l'accusé. Monsieur Ashkula, ton père s'appelle Batubiri Tshibombe. Et ta mère, Agechatu Yenyekali. Est-ce bien toi? Oui, c'est moi, et puis toi? Attention, contrôle ton langage. Tu te crois où? On est au tribunal ici. Moi, je suis au tribunal. Tu es accusé d'avoir agressé ton professeur en plein cours. Vrai ou vrai? Oui, c'est vrai. Pas souvent les gars. À présent, la parole est à Maître Tchekota Kota. Monsieur le Président, mesdames et messieurs de la cour, cet individu-là que vous voyez est un impoli. Oui, de la vérité. Un inconscient qualifié. Donc, il faut se méfier. J'en ai fini, votre honneur. Attention accordée, Maître Mejiba. Merci, votre honneur. Mesdames et messieurs de la cour, mon client n'est né inconscient. Silence, silence. Vous vous croyez où? Chez nous. On est au tribunal. Continuez, maître. Mon client n'est ni inconscient, ni impoli, mais plus d'un élève normal comme les autres. C'est faux. Un drogué, peut-être, vous êtes... Il a dit, il n'a pas pu se retenir. Ça n'est fini votre honneur. Silence, silence. Maître Tchekota Kota. Votre honneur. Mesdames et messieurs de la population, cet individu-là que vous voyez est un impoli, un imbécile qualifié. C'est sinon, je vais quitter la salle tout de suite. Jiba, pour tous les respects que je vous dois, s'il faut encourager l'agression des enseignants et la consommation de la drogue, je me demande quel sera le sort de notre pays. J'en ai fini, votre honneur. Acceptons votre honneur. Mesdames et messieurs de la cour, très chers collègues, Maître Tchekota Kota, mon client n'est pas un drogué, mais plutôt un élève normal comme les autres. Silence, silence. Il a agressé
erreur. Alors je demande votre clémence, votre honneur. J'en ai fini. Objection. Objection accordée. Maître Tchekota Kota. Merci, votre honneur. Mesdames et messieurs de la population, cet individu-là que vous voyez est un drogueux, un inconscient qualifié qui mérite la pire des corrections. Silence. Votre honneur. À présent, la cour va se retirer pour délibérer. La cour. Je vais faire un cagat d'abonnés. Oh, il faut que ça. Non, après avoir constaté sur l'affaire de Monsieur Asikula, la cour trouve anormal qu'un élève lève le petit doigt sur son maître, pour quelque raison que ce soit. J'en ai fini, votre honneur. Mesdames et messieurs de la cour de Hundibaya, puisque l'acte que Monsieur Asikula a commis est indigne et sauvage, prisonné pour 5 ans. Silence, laissez-moi terminer d'abord. Et payera une amende de 300 000 francs CFA à l'enseignant. Un coup comme ça. Hey, qui es-tu? Moi, je suis la drogue. Pardon? Moi, je suis la drogue. Mon nom vous fait frémir, n'est-ce pas? Même pas. Dis-moi qui est ton ami. Je suis l'ami fidèle de l'alcool. Ah bon? Et qu'avez-vous en commun? Tout comme l'alcool, je déteste l'être humain. Au plus haut point, surtout la jeunesse. Pourquoi ça ne méprise? Je vous méprise car vous êtes beau, intelligent et dynamique. Mais pourquoi tu nous détestes autant? Je vous hais puisque vous êtes conscient, brave, ambitieux, voire en bonne santé. Oh, drac, tu fais des victimes où tu passes. Tu es méchante. Oui, mon objectif est de vous détruire définitivement. Va-t'en, drogue. Tu es malheureuse, inconsciente. Même la nature te déteste nettement. Sois maudite. Oui, je m'en vais. Mais je laisse sur mon passage le regret, le désespoir, la maladie et la mort. J'apprécie affectueusement mes fidèles consommateurs. J'ai nommé les drogués, les voleurs, les violeurs, les brigands et les assassins. Frères et sœurs, maliens et maliennes, changeons positivement de comportement. Faisons attention à nos fréquentations. Arrêtons de fumer, de prendre de l'alcool, de consommer de la drogue. Qui n'a qu'un seul et unique objectif, nous détruire. Oui, nous détruire, mentalement et physiquement. Alors, cessons la consommation de la drogue. Oh, drogue, tu as complètement détruit ma vie. À cause de toi, je n'ai plus de parents, plus de famille, ni d'amis. Tu as complètement gâché ma vie. Je te déteste et je promets fermement de ne plus jamais te consommer. Je regrette mon comportement indigne. Et je présente toutes mes excuses à mes amis, particulièrement à mes professeurs. Très chers amis, je vous conseille à cesser de consommer la drogue, qui ne fait que nous détruire. Je vous remercie. Je suis Fatma Tadamele, dans le rôle de garde. Je suis Oumar Temé, dans le rôle du procureur. Je suis Safia Touhala Maïga, dans le rôle du secrétaire des sciences. Je suis Ibrahim Hamidou Maïga, dans le rôle de commissaire de police.
Je suis Abdramane Aplouaïdou, dans les rôles du gouverneur et du président du tribunal. Je suis Sekou Diara, dans le rôle du secrétaire général de l'AYAM et de l'agent de sécurité. Je suis Boubacar Meiga, dans le rôle du maître Diokorta Korta, l'avocat du professeur agressé. Je suis Sada Walet Albachar, dans le rôle du maître Mejiba, l'avocat d'Ajikoula, l'élève impoli. Je suis Aminta Ibrahim Meiga, dans le rôle de la drogue. Je suis Omar Sidibé, dans le rôle d'Ashikula, l'élève impoli. Je suis Mariam Boubacar, dans le rôle du maire. Je suis Leila Sidi Kalan, dans le rôle de l'élève modèle.